Des partisans de Roch Marc Christian Kabore ont manifesté devant son domicile vendredi. But de la manœuvre, demander à l'ex-président de ne pas prendre part à la rencontre sur la recherche de la paix au Burkina Faso, organisée par le colonel Paul-Henri Damiba, le chef de la transition militaire. Ce matin, me préparant donc pour aller à la réunion, je me suis retrouvé dans la situation où, devant la porte, il y avait des personnes qui étaient mobilisées et me demandant et exigeant que je n'aille pas à cette rencontre. Au regard du nombre, c'est vrai que les CRS sont venus, évidemment, pour voir comment on peut traiter cette situation. Mais j'ai considéré que nous sommes déjà dans pas mal de discussions et qu'utiliser la force en la matière ne me permettait pas de pouvoir participer à une telle rencontre. La rencontre a finalement eu lieu sans Roch Marc Christian Kabore. Tant mieux pour ses supporters qui pensent que les militaires ne parviennent pas à ramener la paix dans le pays. La présence de Blaise Compaoré dans le pays passe mal, l'ex-président ayant été condamné à vie dans le procès Sankara. Nous ne sommes pas heureux. Nous pensions que Damiba mettrait fin au terrorisme et ferait mieux que Kabore. Mais maintenant, la situation est encore pire. Nous nous sommes opposés au coup d'état de Diendéré. Damiba se trompe en faisant venir des gens que nous ne voulons pas voir ici. Mais face aux terroristes, le chef de la transition préfère jouer la carte de la cohésion.